Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'un challenge lock réalisé par Sinoc du forum locksport.fr avec une belle clé faite par impression réalisée par Cocolitos. Donc le cylindre fonctionne bien dans un sens, enfin, jusqu'à la moitié quoi. Et le problème, c'est que les goupilles ont tendance à rester bloquées en position. On tapote un peu pour pouvoir retirer la clé, autrement ça reste bloqué dedans et le cylindre reste en ouverture. Voilà. Donc pour ce challenge lock, j'utilise un double entraîneur puisque pour passer les serrations qu'il doit y avoir un peu partout, on est obligé de revenir en arrière, hein, donc un entraîneur qui se colle bien. Donc j'ai collé ensemble deux entraîneurs plats. Ils sont bien larges et prennent bien tout le bas de laine qui me permettent d'agir dans les deux sens. Voilà, puisque à chaque placement, hein, il faut revenir un peu en arrière et sans cet entraîneur, j'ai beaucoup de difficultés quand même. Voilà, donc crochetage intéressant. Hein, on n'est pas habitué à avoir ce genre de réaction sur un cylindre. C'est sympa. Donc les goupilles, hein, ont du mal à venir en place. Hein. Il doit y avoir des serrations des puits et sur les goupilles. Donc on revient en arrière doucement et on essaye de descendre un poil la goupille. Voilà, j'ai un bon décalage. La première, alors ça se passe pas tout seul, hein. Il faut vraiment revenir un petit poil, faut accompagner, hein. Autrement ça passe pas. Voilà, des petits clics, voilà, c'est très dur. Hein. Faut que je revienne. Alors le problème, c'est que quand on revient, on a des chances de faire remonter notre goupille. Voilà, bon décalage là. La cinquième. Voilà, ouverture. Bon, il ne veut pas se refaire d'ailleurs. Donc faut tapoter. Voilà, merci Sinoc.